Eh bien, salut les amis, c'est Blablabla Barbu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube avec encore des vacances, Regardez-moi ça, ce ciel. Je suis du côté d'Avignon, là, je suis à Veden exactement. C'est plutôt cool, là, je suis arrivé quand il y a deux, trois jours. Et du coup, nous sommes aujourd'hui jeudi, ouais, je suis arrivé lundi et il fait un temps de malade. Donc là, du coup, comme vous avez pu le voir sur la chaîne, je vous ai concocté pas mal de petites vidéos. Je vais même la tourner. Il y a un nouveau jeu là, qui est sorti sur... Enfin, il était sorti il y a un petit moment sur... En version bêta en anglais. Il s'appelle Ave Echoes. Ça a l'air d'être hyper sympa. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais pourquoi pas faire une petite vidéo. Ça fait longtemps que je fais du jeu mobile moi, sur ma chaîne, vous savez. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, eh ben, je fais pas mal de jeux mobiles de base. Et j'avoue que quand je suis tombé sur SnowRunner et d'autres jeux sur la PS4, et ben du coup, ça m'a donné envie d'en faire. Je rentre le vendredi 20, je crois, quelque chose comme ça. Parce qu'après là, après avoir fait Avignon, je vais aller du côté de Royan chez mes parents. Et ça fait du bien. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Cette année, j'ai fait 3 fois les vacances quand même. J'ai fait des vacances en juin, 10 jours, des vacances en juillet, 10 jours, et puis encore une dizaine de jours en août. Ça fait pas mal en termes de coupure, c'est plutôt correct. Ben voilà, j'espère que vous allez bien. Je vais tourner ma petite vidéo, je pense, dans ma voiture qui est quelque part garée. Elle est ma voiture. Ah ouais, elle est là, ma voiture. Ma petite voiture qui est là, voilà. Le petit Kadjar. Je pense que je vais faire une vidéo sur le Mont Ventoux. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est dans le sud, pas loin d'Avignon, à 1 heure à peu près d'Avignon. Il y a une montagne, elle est ouf. Ça s'appelle le Mont Ventoux, elle est jusqu'à 1900 mètres d'altitude. Et je pense que je vais taper une rando. J'ai regardé hier un petit peu sur internet les randos, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta et sur Snap. Tout est dans la description. Enfin, surtout, je pense que je vous mettrai sur Insta. Je vais lancer des stories. Et ça peut être très sympa. Ça peut être très très sympa. J'ai vu, il y a un parcours qui dure 5 heures. Il y en a un autre où il y a 21 ou 22 km. Et ils mettent qu'il faut à peu près 10 heures pour le faire. Je pense que je vais plutôt me taper celui-là. Moi, j'aime bien les défis. Donc, je vais aller à Decat acheter un sac à dos. Parce que là, je suis parti sans sac à dos. Je pensais pas du tout faire ce genre de rando. Et non, c'est vraiment très sympa. J'ai été hier à Toulon-en-Rec. C'est une espèce de canyon. Enfin, pas de canyon, mais de gorge où tu peux marcher dans la flotte et tout. Enfin, bref, c'est hyper sympa. Je mettrai tout ça, du coup, bah, sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est Benoît le Barbu. Et vous allez voir, honnêtement, c'est magnifique. Bon, même s'il y a beaucoup de touristes, c'est triste pour, on va dire, la faune et la flore, ou voilà, de voir tout ce monde-là. Mais perso, moi, j'ai bien aimé. C'était très joli. T'as de l'eau quasiment jusque-là quand tu marches. Et c'est ouf, en fait, de marcher dans le canyon. C'est vraiment fondant dans la gorge. C'est vraiment hyper lourd. Eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser là pour cette petite vidéo des vacances à nouveau. Voilà, ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis.